Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Sainte Vierge, à l'occasion de Noël, nous vous prions d'envoyer vos grâces à tous nos soldats loin de leur famille et à Sandra, maman de 3 enfants, très très malade. Merci beaucoup et union de prière avec tout le monde. Oui, bonjour. Ce serait pour une intention de prière, s'il vous plaît, pour Roland, qui est malade, qui est alité depuis plusieurs jours, puis qui est déjà très très fatigué, a des soucis que pour nous. Merci encore. Pour Ange, mon mari, qui est gravement malade, je demande de prier pour lui, la Vierge Marie, le Seigneur et Saint Joseph. Merci de tout cœur. Oui, bonjour. Je vous remercie de prier avec Notre-Dame de Lourdes pour le bébé d'Antonin et Sophie qui doit arriver le 26 décembre. Merci de vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Pèlerins ici présents et vous, auditeurs, bonjour. Nous voici réunis depuis la grotte Massabielle de Lourdes pour prier et méditer aujourd'hui les mystères joyeux en ce temps de l'Avent, en ces jours tout proches qui nous préparent à célébrer dans la joie et l'espérance le mystère de l'incarnation et de la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Rendons grâce à Dieu avec Marie pour les merveilles de son amour, lui qui vient à notre rencontre et qui, par son Fils, Jésus le Christ, vient nous sauver et nous dire combien il nous aime. Confions dans notre prière toutes les intentions offertes et déposées ici même à la grotte, celles que nous portons chacun dans notre cœur auprès de la Vierge Marie. En cette année de la vie consacrée, nous prions spécialement pour tous les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur, pour l'Église, pour l'Évangile, pour leurs frères et sœurs. Nous portons aussi dans la prière Jean-Pierre et sa maman, une maman malade, Jacques. Nous prions pour la jeune Carla et ses parents, pour Juliana. Nous prions aussi spécialement pour Daniel et Chantal et leur famille. Nous prions pour tous les employés du sanctuaire et leur famille qui se dévouent nuit et jour par tous les temps au service des pèlerins, à notre service. Nous portons dans la prière tous les enfants, en particulier les mamans qui attendent un enfant, mais aussi tous les enfants, afin qu'on leur fasse vraiment découvrir le véritable sens de Noël. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth, à une vierge fiancée à un homme, Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce. Ne crains pas, tu vas concevoir en ton sein un fils. Tu l'appelleras Jésus, il sera appelé Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Ainsi se réalise la prophétie d'Isaïe, « La jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » Prions pour que Marie nous obtienne la grâce d'accueillir dans la foi le don de Dieu. Et prions pour tous ceux qui annoncent dans le monde la bonne nouvelle, en particulier aux pauvres, aux petits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, que vous avez conçu de l'Esprit Saint, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère, la visitation. En ces jours-là, Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Dès que celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en son sein. Elle dit, « Béni es-tu entre toutes les femmes, béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Heureuse toi qui as cru à l'accomplissement des paroles dites de la part du Seigneur. » Avec Marie, Élisabeth et Zacharie, oui, nous pouvons dire, « Béni soit le Seigneur qui visite et rachète son peuple. » Prions pour que Marie nous aide à porter le Christ à nous et aux autres, que nous soyons sel et lumière pour le monde, que nous rayonnons de joie le Christ par notre vie et notre charité. Prions particulièrement, surtout en ces temps de fête, pour les visiteurs des malades, des personnes en maison de retraite, des personnes seules, les visiteurs des prisonniers et de leurs familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. «
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, par qui vous apportez la joie au monde, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère, la nativité, la naissance de Jésus. Joseph monta à Bethléem avec Marie, qui était enceinte. Elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Près de là se trouvaient des bergers. L'ange du Seigneur leur dit, « Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. » Avec Marie, Joseph et les bergers, chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux, qui a fait surgir la force qui nous sauve. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Prions pour que Marie et Joseph nous donnent d'accueillir dans la joie et l'espérance, à travers les événements de notre vie, la présence de l'Emmanuel. Prions pour l'Église, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils soient toujours porteurs de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui vient guérir et sauver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, le Sauveur que vous donnez au monde, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère, la présentation de Jésus. Marie et Joseph amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Le vieillard Siméon reçut Jésus dans ses bras et il dit, « Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. Prions pour que Marie et Joseph nous aident à reconnaître en Jésus le Sauveur et que nous nous laissions éclairer par sa lumière venue d'en haut. Prions particulièrement pour tous les parents, afin qu'ils prennent conscience de leur responsabilité de consacrer leur enfant au Seigneur en leur donnant une bonne éducation chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, que vous offrez et consacrez à Dieu son Père, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère, Jésus perdu et retrouvé au Temple. Quand Jésus eut 12 ans, ses parents montèrent avec lui à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Une fois les jours écoulés, ils s'en retournèrent, mais Jésus resta à leur insu à Jérusalem. Ils se mirent à le chercher. Après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant, les interrogeant. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Il leur dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Eux ne comprirent pas cette parole. Prions pour que Marie et Joseph nous aident à recevoir dans notre cœur toute parole sortie de la bouche de son Fils Jésus et de les mettre en pratique. Prions spécialement pour les jeunes en difficulté avec leurs parents, pour ceux qui sont en recherche du sens de leur vie. Prions pour les parents qui ont perdu un enfant, pour des enfants qui n'ont plus de parents. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, que dans la joie vous retrouvez dans la maison du Père, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu n'as pas supporté que l'homme soit abandonné au pouvoir de la mort, mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique, Jésus le Christ. Accorde, nous t'en prions, à tous ceux qui s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, le Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Notre-Dame de Bethléem, Sainte Bernadette, et avec la Vierge Marie, ensemble, chantons la gloire de Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. C'est